Bonsoir à tous. Donc reprenons nos leçons d'arabe là où nous les avons laissées. Alors la troisième leçon d'arabe, ad-darsu al-thalith, reprendre certains mots de vocabulaire que je vous ai fait recopier à partir de ce manuel. Il y a beaucoup d'images et de mots extraits de l'image. Alors, je commence. Hadhihi mistara. Al-mistara tawila. Hadha qalam. Hal al-qalam tawil? La, al-qalam laysa tawilan. Kayfa huwa? Huwa qasir. Al-mistara tawila wal-qalam qasir. هذا حمار الحمار حيوان الحمار سمين هذه بقرة ما هي البقرة البقرة حيوان هل البقرة سمينة لا البقرة ليست سمينة هي هزيلة الحمار سمين والبقرة هزيلة Alors, c'est une petite forme d'humour qu'on a voulu nous faire, parce qu'en vérité, c'est ce qui aurait dû être gros, c'est la vache et non pas l'âne. Donc là, j'ai traduit le texte. Alors, pour comprendre le texte, pour avoir le vocabulaire, donc, mistara, c'est une règle. Kalan, c'est un crayon ou un stylo. Himar, c'est un âne. Bakara, c'est une vache. Hayawan, c'est un animal. Tawil, c'est long ou grand en taille. Kassir, c'est court ou petit en taille. Samin, c'est gras ou gros. Rezil, c'est maigre. Kaïfa, comment? Donc ça, c'est le petit texte que je vous ai lu. Encore une fois, vous pouvez le constater, nous sommes dans des phrases nominales. Tout le tome 1 de ce manuel se fait en phrases nominales. Pourquoi de temps en temps je vous introduis des textes issus de phrases non nominales? Parce que sinon vous allez être perdus à la fin. Si on fait toute une année d'apprentissage avec des phrases nominales, vous allez être perdu. Alors, vous avez compris le texte. Donc, répondre aux questions suivantes. Ma hiya al-baqara? Ma huwa al-himar? Hal baqara samina? Hal hiya hazila? هل الحمار سمين؟ هل هو هزيل؟ هل المسطرة حيوان؟ هل المسطرة قصيرة؟ هل هي طويلة؟ هل القلم قصير؟ هل هو طويل؟ Alors, les questions que j'ai posées. Si vous avez la réponse, vous n'avez pas besoin de réfléchir longtemps. Si vous n'avez pas la réponse, je vous conseille de revoir les cours précédents. Parce que tout a été vu dans les cours précédents. Ensuite, je peux vous proposer un petit jeu. Comme nous avons assimilé l'alphabet.
Je vais pas tout écrire, mais il y a des exercices à trouver. Les lettres manquantes. Dans notre cas, il n'y a pas beaucoup de mots qu'on connaît, donc on va pas faire tout l'exercice. Là où je mets le point, c'est qu'il manque une lettre. Voilà les mots qu'on connaît selon l'exercice qu'on nous propose. Il y a d'autres mots, mais on les connaît pas, on les a pas encore vus ensemble. Donc, je vous propose de les compléter. Quelque chose, joule. Quelque chose, kara. Maou, quelque chose. Et j'aime quelque chose. À vous de compléter. C'est le petit jeu que je vous propose aujourd'hui. Parce que moi, je trouve que, vu les audiences, parce que je vois sur mon ordinateur le nombre d'audiences qu'il y a et quelles vidéos ont de l'audience et quelles vidéos n'en ont pas, je trouve que vous avez bien progressé, que vous êtes très fort pour progresser par vidéo. Parce que moi, j'ai jamais pu apprendre avec des vidéos. J'ai toujours dû apprendre avec des livres et des professeurs.